ciel, premier ministre, là, pour venir ouvrir la conférence de presse. Donc, nous avons dit, nous, faut que nous fassions un petit patience, alors, et nous comptons que nous sommes patients assez pour nous capables de gagner et nous sommes capables de dire, pour nous causer ensemble, je dis. Et donc, on remercie nous pour patience. J'aimerais vous mettre mon livre jeudi, nous avons une possibilité pour nous poser des questions. Et ma réponse, DGP NH Sakila et ministre Henriques, à l'autre ministre, si possible, ma réponse, une après l'autre. Comme nous connaissons depuis Zak assassinat qui fait ce président de la République là, dans date 7 juillet passé, le gouvernement va établir deux priorités. D'abord, organiser bon jeu funérailles national pour le président en accord avec Madame Lee, avec toute votre famille. Ensuite, continuer mener enquête là, jouk nan bout li, pour le président avec la famille. La nation capable d'une justice. D'abord, pour ça qu'il y a un funérail là. Nous connaissons déjà un comité qui est créé par un arrêté. Il est déjà préparé. Un accord avec la famille président pour organisation activité qui est liée à la funéraire. Déjà, il y a un registre pour condoléances qui préparé dans plusieurs institutions publiques et dans la mission diplomatique qui est à l'étranger. C'est une façon pour honorer la mémoire chef d'État. Pour ça qui vient à voir avec l'enquête là, certain que DGPNH là pour faire des ajouts. La police nationale a fait une conférence pour la presse hier matin. Côté, il partageait avec nous plusieurs informations. Donc, à résumer, dans bilan ça. Évidemment, on dit s'il y a une évolution, on parle ça avec le chef de police et côté qui y a des ajouts dans le ça. 23 arrestations, 7 mandats d'amener, 10 cas fouillés, 24 maisons conservatoires, 4 policiers en isolement, 27 auditions. J'aime dire encore, le GPNH va ben nous plus de détails dans un petit moment. Peuple haïtien, nous-mêmes qui avons gardé et tendu dans un moment, je dis nous sommes déterminés pour enquête l'avancée. Bien pile diversion qu'a fait. Bien pile piste y a tenté bouiller pour pas jouer un bon genre résultat. Mais c'est preuve d'où. Nous sommes en route pour permettre au président de la justice. L'ennemi en pile. Complot à loup. Mais nous pas fait là. Nous pas fait là. Assassin, vous devez comprendre. Que tu as fini tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez? Que tu as fini tout le président Jovenel Moïse, toute l'autre autorité t'a couru. Et puis, vous-même, vous avez bien temps. Temps pour effacer indices sur ces crimes-là, et puis nettoyer avant de chaper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien,
grâce à la vigilance police nationale, grâce à l'intelligence population, nous croyons. Et nous prenons en pile dans nous, comme nous connaissons. Nous continuons à poser des questions, continuons à chercher des intellectuels criminels, traîner la justice pour payer ça qu'ils font. Pour nous, il y a deux choix. C'est soit ils assassinent, même gens qui ont assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit ils ont quitté l'enquête là pour venir en bout. Je suis passé des GPNH là, qui lui-même l'a fait bah, côté enquête là, en évolution aujourd'hui. Et nous prêts pour nous répondre à la question. Mais ça qui a également à funérailles là, je suis quitté ministre de la Richesse. Également ajouter deux mots après des GPNH. Merci. Merci beaucoup, PF. Et on va saluer tout le monde du gouvernement. Et qui avec nous là, et nous avons merci à la presse qui répond en foule à l'invitation à la conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aider les populations informées de l'évolution enquête que la police a été diligentée dans le cadre d'assassinat crapuleux de président Noir. Monsieur Jovenel Moïse. J'en désire dans un point de presse, conférence de presse que j'ai fait hier. Enquête là a continué. La police là mobilisée, pas seulement police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président Noir. J'en dis, il y a deux niveaux d'enquête qui est lancé. L'enquête administrative qui fait au niveau de l'inspection générale, côté où vous mettez en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a un autre policier que nous plaçons en isolement. Donc, j'ai suffisamment d'éléments pour nous placer dans l'isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué d'aider tout policier qui était de service, tout policier qui de près ou de loin pour un rôle qui était joué, qui était pour empêcher sa fête, il va faire donc l'inspection générale a continué de travailler. Au niveau de l'enquête judiciaire, fait avec police judiciaire, nous avons des informations déjà. Nous avons renouvelé, nous avons gagné 18 assaillants qui sont sous contrôle en détention dans la police. Là. Nous avons 3 qui sont tombés et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous avons réalisés. Notre travail, soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui spécialisent dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui est présente sur le terrain, pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous jouons pour nous retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous joignons de population. On a remercié la population qui comprenne la nécessité, l'urgence pour nous joindre tout le monde qui a fait ça. Et nous avons commencé la jalousie. Nous continuons toute semaine. Et jusqu'à ce matin,
la pour information de la population. Donc, encourager dans ce sens pour que tout élément qui est le plus vite que possible, l'enquête se poursuit, l'enquête ne va pas s'arrêter, l'enquête va se poursuivre tous les jours, jusqu'à ce que nous joignons et nous commençons à joindre et nous gagnons indiction et nous préciser. Ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer que l'enquête l'a fermée ou pas, c'est les indices qui vont nous indiquer, qui vont nous indiquer dans quel sens. Nous ne pas ni à droite, ni à gauche, nous avons été nommés jusqu'à ce que la famille présidentielle, le président Jovenel Moïse, joue justice. Merci. Merci, DG, police nationale. Merci, les collègues ministres de défense, ministre en charge des élections, ministre intérieur, commissaire du gouvernement, tous les collègues secrétaires d'État qui l'ont, et puis au cadre de la police là, nous saluons la presse nationale et internationale. Et le premier ministre là, il m'a demandé pour parler de funérailles là. Et funérailles, n'a pas l'air, c'est funérailles, président Jovenel Moïse qui était assassiné la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, je vous dis, nous déjà sous 9 jours depuis le président Litebourg. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons l'autre mesure qui dépend au niveau sécuritaire, mais au niveau organisé funéraire à lui-même, il y a, comme le Premier ministre se dit, un comité qui était mis sous pied. Le comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres. Ministre des Affaires étrangères, qui est même le Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre intérieur et collectivité territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général Mubana, et a décret ça, a arrêté ça, pardon, gagné trois autres entités qui a ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la Primature. Tâche principale du comité ça, c'est pour organiser funérailles là et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi en 16 juillet, jeudi en c'est vendredi, comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté hein, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu deux journées d'activité. Nous avons gagné une journée immédiatement après et installation. Nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons deux journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans, donc qui pour atterrir, qui pour atterrir toute décision pour le prendre. Donc, il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc, c'est des mondes très opérationnels, très fonctionnels qui font partie du comité ça. Et puis, nous gagnons tout, il y a une cellule logistique qui, dans l'immédiat, supposé à faire évaluation, site pour finir à la fête. Et peut-être que nous, tout qui là, nous besoin qu'on ait un seul bagage. Mais avant nous arriver sur ce bagage, nous besoin qu'on ait, nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui a donné trois dates. Et à partir de deux jours de travail, nous avons fait trois dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement qui rend hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais National qui a organisé au musée du Panthéon National. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020,
tu as gagné un décret s'arrêter, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséance, honneurs civils et militaires, décret a été signé le 11 mars 2020, et décret a été prévoit en ses articles. Dans ces articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32.1, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même l'a dit, les Mapliburu, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit au funérailles national. Donc voilà. Et 36 dit, les cérémonies publiques sont organisées sous instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous avons continué à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant que nous parlons là, sur le site, espace et côté funéraire après le fait, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parole tout gouvernement là, parole tout ministre là. C'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engageait pour bail président Jovenel Moïse, une funéraille, comme ça doit, je vous dis en créole, j'en ai dit. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Quelle okay. Est une possibilité pour nous poser un ensemble de questions, s'il vous plaît, d'après des confrères, d'après des journalistes, pas poser question à plusieurs volets, chaque monde a bien droit. Pour nous qui a posé question, la bien droit à yon question. Donc, il y a plusieurs volets, nous n'avons pas qu'à répondre aux questions à plusieurs volets, nous répondre aux questions pour nous permettre au maximum de journalistes qui ont possibilité de poser questions et nous avons réparti les questions entre journalistes nationaux et journalistes internationaux. Premier ministre a répondre, directeur général de la police a répondre, ministre culture a répondre pour ça qui vient pour la funéraire. Le pasteur, moi, je suis Robertson Alphonse, et plus de 8 jours après les faits, est-ce que le nouveliste de Magic 9, est-ce que vous chronologie des faits, qui est le président Mouri, combien de monde qui était dans la sécurité, qui ça y est, qui ça y est fait, et qui est qui venait et combien d'âmes dans l'hôpital, et qui réaction pour le ministre à l'article notice, combien de caractères notice qui s'y a. Merci. Ça concerne le rapide pour me passer et connu à DG. Et pour une bagarre, m'a dit c'est que moi estimé, n'est-ce pas, que le journal et noticias Caracol là est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même et Claude Joseph en novembre 2020, m'a premier ministre. Alors que à titre là, cité comme Premier ministre novembre 2020, je pense que ça, c'est un bail pour nous et rejeté. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc et nous sommes capables de dire accusation, ça y est. Mais ce qui est important, c'est que moi, pas déstabilisé, parce que moi, c'est moi qui écrit, qui m'a dit pour FBI et Vina, pour nous jouons un support colombien. Moi, pas découragé. Nous, pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, bien pile monde là-dedans. Pas bouiller pis là, parce que moi-même, c'est assassiné qu'on assassiné, ou bien faut qu'une enquête là aboutisse. C'est ça seulement mon capable de dire. Enquête là pas abouti, là pas abouti. Si nous voulons assassiner, m'assassiner, mais si attaque sur caractère, il n'y a pas marché parce que je me force. Et le président Maurice 7 juillet, on campé avec. Conseil ministre NEM avec secrétaire d'État NEM. Jour et jeudi, on avance. Nous n'avons pas assassiné caractère, nous avons assassiné. Mais on avance. Enquête là doit aboutir. Merci.
D'accord. Pour répondre spécifiquement à la question posée, hein, déjà c'est image de la police, là, mais enquête là peinée par des spécialistes. Mais question, nous ne sommes pas capables de tout détailler, mais on fait appel au directeur central de la police judiciaire qui a répondu au aspect de la question posée. Désolé. Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, il a précisé pour les journalistes que les faits ont déroulé aux environs entre 1h du matin et 2h du matin. Et la première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmettre le président et tout ensemble de l'entité qui était présente sur les lieux, par rapport à l'enquête là, nous voyons que gain. Maintenant qu'il y a engagement. Et ceci, c'est ça que fait inspection générale au niveau administratif, ouvrir une enquête sur ça. Et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et 24 musiques conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de Pony Adamna et qui t'a accompagné jusqu'à ce qu'elle dérive et l'hôpital. Merci. La voix de la mairie. Merci. Premier ministre, vous faites partie de. Alors, non, parce que vous êtes cousin, vous travaillez pour la Banque d'Amérique. Vous faites partie de nos gouvernement démissionnaire. Nous connaissons que Joseph Jouté est démissionné. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement ça, qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous êtes dans la tête des prématurés. Et qui soit capable de répondre à ça. Et en plus de ça, qui. Position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles et classe politique là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient, et considérés comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches sérieuses? Merci, la voix de l'Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, moi, j'ai rentré dans le palais. Moi, je fais partie comme ministre des Affaires étrangères. De comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Même nous choisi par le balai, c'est pour éviter toute interprétation sérieuse. Le président a mouru, dernier conseil ministre qui a été organisé, il était organisé avec moi, avec moi-même comme premier ministre intérimaire. Le président a mouru, il faut que tu aies des autorités campées. Qui vous permettent mon là aujourd'hui à 9 jours après. C'est ça que fait moi-même comme ministre, premier ministre à l'intérim, moi t'ai grand courage moi à demain. Pour moi t'ai avancé avec reste ministre et m'a profité occasion pour moi remercier secrétaire d'État, remercier ministre qui avec moi et assurer présidence conseil ministre. Qui te me dit que je dis, dans ça qui vient à ouais à après journal, l'important pour tout acteur de mettre tête ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui a gagné une nomination, un premier ministre désigné. Le processus n'a pas abouti pour nous tous connaître. Je dis à premier ministre, Dr. Ariel Henry, c'est un acteur important lié dans la prison. Sénat, sénateur, c'est des acteurs importants liés dans la prison. Moun dans la société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. Moi, pas gagné aucune ambition personnelle, je ne pas dans le parti politique, c'est Jovenel Moïse. Qui te fait chargé d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon premier ministre. Je n'ai pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président. Mon bon devoir moral, pour le juge de justice à Kouameni, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre ensemble. Nous n'avons pas qu'à courir à rien.
Moi-même, moi pas dans une dynamique pour m'intéresser à arrêter là. Moi pensé faut qu'on tout mette ensemble pour nous trouver une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour nous définir gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise là. Pas un monde qui gagne pour compter. Moi-même, moi c'est un premier ministre de facto. Ariel, c'est un premier ministre désigné par Jam installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui n'est pas président de l'Assemblée nationale là, à cause de la gagne chambre députée. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut que nous mettions ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et je profite, caméra, micro, la presse, pour me lancer un appel à tout secteur qui organise un pays. En nous mettant nous ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise. Entre temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est ce qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est ce qui est important pour moi. Merci. Grégory Jean-Philippe. Oui, avant de vous, ma frontière à jouer à la réponse PM. Dans le domaine du droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre de la crise où est fait là. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre en poste, pendant un poste, le chef de l'État est mort, assassiné. Il a gagné une attitude qui a adopté ses courriers, et ça, c'était le chaos total. Libre encouragé à demain, accompagné de tout gouvernement, et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche KOA, il fait suivi. Donc, au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour débattre. C'est félicité pour féliciter. Par un exemple simple, moi-même, moi ministre, tout autant pour remettre ministère à Bayoun, tout ça qui passe dans le ministère est sous contrôle. Mais obligé tant du ministre rivé nommé bon décret arrêté m'installer le remettre et me remarquer. C'est à ce moment-là que lui-même va prendre relève la responsabilité. Donc dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Oui, alors, non pas M. Grégory Jean-Philippe, donc on va être à la télévision Caraïbe. Je n'ai pas posé le PM la question sur le reportage Caracol là, quelqu'un peut répondre. Mais bon, profitez-moi du PM, toujours sur la question et le reportage Caracol là. Est-ce que l'IPV va traduire et Caracol en justice pour accusation ça? Ça c'est une deuxièmement, qui rapport qui gagne en Colombien, nous arrêté avec Colombien récemment qui est venu renforcer le travail PNH? Moi qui était DG PNH à répondre, deuxième question. Hein. Mais faut me dire nous que on a minimisé environnement, on a minimisé totalement la question Caracol. Nous minimisons, cependant. Et nous pensons que il n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on me dit un bon matin levé, et sûrement avec support complot d'ailleurs, eh bien, il y a boué ça. Donc, nous pensons que les médias ça. Nous gagnons et des dimanches pour nous faire beaucoup de parler. Même, je dis clair que ça ne va pas affecter du tout, du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagay, ça va venir. Parce que moi, je suis trop intéressé à l'enquête-là. Et il faut que l'enquête-là aboutisse, il faut que nous jouions criminel. C'est ça seulement capable. Merci. Merci. On a précisé pour mes amis que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre les vents au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre d'enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous avons été jeudi à l'enquête ont assassinat et la plupart d'entre eux ont passé à travers la frontière. Merci.
Deux dernières questions, Métropole et puis ici. Bonjour, c'est Éloge Miniforme, dans la droite de la télévision Métropole. D'après moi, monsieur le Premier ministre ou le ministre de la Communication, on a essayé d'aider côté précision par rapport à l'endroit où se tiendront les funérailles du président Jovenel Moïse, qui se bien montré pour plusieurs, le Nord et Port-au-Prince. Et puis, pendant toute la partie sera faite pour funérailles et enquête plateau, il y a d'autres problèmes sociaux qui existent dans le pays, en particulier la distribution des produits pétroliers dans les stations à essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué aux populations qui ça a empêché que la distribution gaz reprenne comme normal au niveau des stations? Merci. Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution de préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces deux jours de travail qu'on fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, il est important, chaque fois, problème de nous travaillons autour de deux documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est deux bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap-Haïtien, selon les vœux de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, on a bien d'autres rencontres à faire parce que nous n'avons pas campé, qui fait que nous pouvons fixer pour vous plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le nord au Cap-Haïtien. Et mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci. Nous qui avons avec la question de gaz là, vous allez m'informer nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Normalement, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les films que nous voyons dans la station de gaz sont des choses qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et là, avec la police et les forces armées, bien sûr, la police a dégagé les endroits, les airs pour le monde qui est capable de passer, pour le camion capable de livrer le gaz. Et depuis ce matin, d'ailleurs, il y a bien le côté que le gaz a arrivé. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous y a, dans les circonstances que nous y a, nous avons bagaille pour nous, une attitude que nous gagnons, c'est l'attitude que tout le gouvernement, nous, le Premier ministre là, qui est chef du gouvernement, nous, c'est nous gagnons quelque chose, nous gagnons douleur dans quelque chose, mais nous agissons avec tête nous frette, pour nous capables de faire assumer les responsabilités que nous gagnons et pour nous capables, en même temps, de continuer l'enquête pour que le président de la République, la Jovenel Moïse, nous joigne justice pour lui, nous éclaircir ses constances dans le monde, mais en même temps tout, pour nous capables de réaliser funérailles, redémarrer l'activité économique dans le pays, permettre que la vie reprenne force parce que nous sommes obligés de vivre. Donc, on a fait ça, on a fait avec responsabilité, on a fait avec dignité tout, et puis on a fait avec un pile, comme on a besoin, sentiment dans le cœur pour nous apporter par la population service que l'humanité. Merci. Thank you for the opportunity to ask questions. This is Caitlin Wu for CNN. Les investigateurs américains et colombiens ont eu l'occasion de questionner des suspects et combien de policiers qui travaillaient dans la résidence présidentielle et qui étaient chargés de protéger le président sont sous mesures précautionnaires ou autres suspicions. Thanks for this question. Yes, our colleagues from the FBI and the Colombian delegation were able to ask some questions to some key, the bad guys we got from, we know who completed the assassination. Regarding the police officers who were on duty that day, 24 of them have been invited to the Inspector General, and 24 of them
have been sanctioned for now, and five more top heads of the different units of the Palace Guard have been sanctioned, and they are now in custody. Were they working at the police at the presidential residence that night, the night of the attack? Some of them. How many? 24 of them were supposed to work. Some of them were there. Can you be specific on how many were actually present? Moi, question, son seule question, qui a fini plusieurs questions. Bon, moi. Combien était là? Combien, précision? On a dit 24. 24 et toutes invitées par l'inspection générale et toutes sous sanction. Merci. Question, vos dernières questions, s'il vous plaît. Nous avons remercié tout le monde de la pression. Nous avons remercié tout le monde de la pression. N'a pas seulement dit, gagner deux canaux officiels qui baillent information officielle. Yo. Numéro de téléphone, moi, toujours disponible. Si on a besoin de vérifier, il y a une information qui sort dans la primature. Donc, chaque fois, dans le moment ça, nous connaissons un pile fake news qui a circulé. Soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a? N'a pas permettre que Kiskeya pose une dernière question. Kiskeya. Merci, Seigneur. Je vais me parler de Kiskeya. Donc, est-ce qu'on va parler de enquête là sur toi? Puis de documents, caméra surveillance, et qui ça que nous jeunes dans le cadre des documents sérieux en termes d'enquête et sous la mort et pour les dames. Deuxième partie de question, qu'on est. Sans seule question, on va les doigts. Oui, tout le monde est premier dame, pas de question à deux. C'est acteur majeur et assassinat de Jovenel Moïse. Pour qui ça qui explique, nous battons, nous soulignons dans quatre enquêtes, quatre menées et pour le jeune lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Merci. Bon, alors, sur ça qui vient à voir, combien d'âmes? Écoutez, qui te me dit où? C'est un monde qui a souffert. C'est un monde tout qui a courage. C'est peut-être un moment tout pour me confirmer que le message vocal que nous tous attendons, c'est de l'élu. Il y a courage, il souffre dans l'hôpital, subit opération, mais la rentrée dans le pays, pour lui participer dans le funérail Maril qui est tombé pour lui-même tout et lui qui prend mal. Merci. Premier ministre. Sous question caméra, Martino, toute évidence, toute pièce à conviction qui était collectée sous la salle de commun, il a tout sous-scellé. Et nous avons gagné pour nous parler de eux aussitôt que nous vivons au point qu'on était dégagé, nous parlons de notre dossier par le commissaire gouverneur. Toutes pièces à eux, il y a bien pour exploiter, pour utiliser, pour chercher ça là-dedans, pour capable de nous plus indices, pour nous faire recommandations. Je vais nous soumettre pour final là au commissaire gouverneur. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et puis pour les journalistes qui venaient, nous avons un petit lunch que nous avons partagé ensemble tout de suite après la conférence de presse. Merci beaucoup. Bonne journée.